télétravailleuse, télétravailleur. La tige principale, triple A de la débroussailleuse, et avec l'autre main, vous n'avez plus qu'à tourner la bobine. C'est vraiment enfantin. Ah, j'y arriverai jamais. 78, on vous simplifie la tâche. Non, c'est moi qui ai besoin d'aide. Oh, dépêchez-vous, là, la situation est plus sérieuse. Oh putain, j'ai perdu les os. Oh, je confirme. Oh. Non seulement ma femme a perdu les os, mais en plus, regardez, la dilatation du col, elle est déjà à 8. Oh, crise de crise, il faut faire vite, tabernacle. Tiens le coup, chérie, tiens le coup. On est bientôt arrivé chez le vétérinaire. Mais Tom, mais t'es malade. Mais en même temps, le docteur a dit qu'il fallait qu'on fasse au plus vite. Ah, le voilà. Vite, monsieur, faites vite, ma femme va accoucher. Mais c'est de la grosvilloise, ça. Ah, mais c'est pas possible. Mais moi, je veux pas faire. Là, avec la grosvilloise, il y a toutes des complications. C'est pas vrai. Bon, bah, on fonce aux urgences de plus en plus. Eh ben, n'y pensez même pas. Ils sont tous en RTT, vous trouverez personne là-bas. Quoi? Bah oui. Bah, d'ailleurs, y a pas un hôpital qui soit ouvert pendant le week-end au Groland. Vous avez pas l'internet ou quoi? Oh, non, mais c'est pas vrai. Bah, attendez. Faut pas vous mettre dans des états pareils, hein? Ah, vous me rappelez une guenon magot que j'ai soignée dans le zoo de Grappancourt. Bon, je vais appeler mon cousin, il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Comme le monde est petit, hein? Bah, vous avez de la chance parce qu'à une minute près, j'étais parti faire mon épandage. Alors, si vous voulez accoucher dans les temps, bah, c'est comme l'euthanasie, il n'y a plus trop le choix. Soit la Belgique, soit l'Espagne. C'est quoi le moins cher?